ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Écoute, ça va, merci. Je pense que c'est la question qui est le plus revenue de ceux qui m'envoient beaucoup de DM sur Instagram. Parce que ça fait quelques années où je suis concentré que sur ce réseau social. Des gens avec qui j'ai développé des choses et même des gens avec qui j'ai développé juste des affinités et qui ont fait du bien à ma vie. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Oui, ça va mieux. Je suis passé par une phase, ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai été en tout cas à l'hôpital, pour ceux qui ne le savent pas, et que j'ai chopé le Covid. C'est 8 jours à l'hôpital. Je l'ai dit ouvertement aujourd'hui, j'ai failli perdre la vie. Et j'avais du mal à le concevoir, à le dire, à l'admettre. Je me rappelle de moi à l'hôpital, où comme on était un peu les premiers, entre guillemets, cobayes, du coronavirus, ça veut dire que les gens, le corps hospitalier faisait tout ce qui était en leur pouvoir, tout ce qu'ils avaient compris de ce virus. Et ils venaient vers moi, je me rappelle, quasiment faire des interviews, quoi. J'étais assis sur mon lit, j'avais perdu 10 kilos, personne ne pouvait me ramener d'habits, parce que forcément, on était à un étage où il n'y avait pas de visiteurs. Et nous, on était les gens évités qui avaient le virus. C'est très bizarre de vivre ça. Après tout ce que j'ai vécu comme épreuve dans ma vie, j'aurais jamais cru arriver là un jour et vivre ce genre d'épreuve. Un jour, j'étais à l'hôpital, j'ai laissé un message à un pote qui me posait une question. Et moi, je croyais lui envoyer un vrai message vocal. Et finalement, je l'ai réécouté, ce message vocal, genre 6 mois après. Et je parlais, ouais, alors qu'en vérité, moi, je pensais parler normalement. Et c'est là où j'ai constaté l'état dans lequel j'étais quelques mois avant. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pendant cette période difficile sur laquelle je suis obligé de m'attarder et de faire un peu long dans mes réponses parce que ça a été quelque chose de... Voilà. Et je remercie aussi ma moitié qui est ma dame et aussi la mère de mes enfants qui a été omniprésente. Et voilà, c'était très dur. Je peux vous dire même une anecdote qui est encore plus dure. C'est quand mon fils m'a vu en visio dans l'ambulance, j'ai voulu lui faire plaisir. Il ne pouvait même pas regarder l'écran parce qu'il ne me reconnaissait pas et je lui faisais peur. C'est-à-dire, il ne reconnaissait plus son papa. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il a? Il a compris l'épreuve, la grandeur de l'épreuve. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. C'est très compliqué de résumer mon parcours. Ouais, je me rappelle, à un moment, clairement, on m'avait dit de faire des ateliers écriture. Et pour faire les choses en bonne et due forme, et pas me laisser, oui, parce que c'est OGB, on ne va pas lui demander. Il m'avait demandé un CV. Alors c'est très marrant de me demander un CV parce que je ne sais pas par où commencer. Je fais un taf qui est dans l'artistique. Alors CV, oui, je peux te résumer ce que j'ai fait. Ça fait 25 ans que je suis dans le game. J'ai fait 1600 concerts. J'ai occupé tous les postes de ce qu'on appelle les hommes de l'ombre. S'il y avait une clique de l'ombre, je serais la star. Pourquoi? Parce que j'ai fait énormément de choses. Il faut savoir que quand j'ai accompagné les artistes en tant que bac, j'étais payé pour un poste, mais derrière j'en faisais 10. Ça veut dire si on disait, ouais, qu'est-ce que je te mets comme lumière? Va voir OGB. C'est quoi l'ordre des morceaux? T'as le track listing final. Va voir OGB. On venait voir OGB pour tout. Donc finalement, j'étais régisseur, accompagnateur, manager, tous les trucs en heure, ex-voleur. Je m'en rendais pas compte, mais par ma gentillesse et mon naturel, parce que j'ai toujours été comme ça, et ben j'occupais 10 000 postes. Donc voilà, sur ce CV, qu'est-ce que je pouvais mettre? J'ai eu une société d'édition et de production, donc j'étais chef d'entreprise pendant 5 ans. Une SARL que j'ai montée juste pour pouvoir encaisser mes propres chèques. J'ai jamais voulu développer des gens. En tout cas, c'était pas un truc. C'est super compliqué de produire quelqu'un, surtout dans le rap. Il faut gérer l'ego, il faut gérer la bipolarité de beaucoup de personnes. Peut-être 65% du rap français est bipolaire. Même 100% des artistes, en vérité. Et pourquoi pas même de l'être humain pour aller plus loin. Parce qu'on a tous nos hauts et nos bas. Qu'est-ce qu'être bipolaire? Après, il y a des degrés de bipolarité. Il y a des degrés où tu peux t'en inquiéter fortement. Mais il y a des degrés qui sont gérables, tu vois. Et les DZ, on connaît bien ça. Donc, mon parcours, oui. J'ai été directeur artistique en Thaïlande, à Phuket, d'une ouverture de grande discothèque où je ramenais des artistes français. J'ai été manager aussi de Wahid, du Jamel Comedy Club. On va dire un manager, un peu un homme à tout faire. J'ai vécu une belle époque avec lui. J'ai même fait des trucs incroyables. Booker dans les clubs, dans les discothèques. Et moi, dans les discothèques, j'ai réussi à ramener des humoristes.
C'est-à-dire, les gens, ils sont en train de danser. Et moi, j'ai déterminé que j'étais sûr et persuadé qu'arrivait un moment, de toute façon, à 2h30, 3h, tout le monde est déchiré. Souvent, on se fait monter super tard. Mais moi, je mettais DJ, 2-3 vannes, re-DJ, un mec qui chante. Je me rappelle qu'un jour, j'ai fait AP du 113, Wahid du Jamel Comedy Club. J'ai ramené Abdel Rachid, là, il était une fois dans l'Ouest, qui était un acteur à la base. Et ah ouais, une fille qui chante plus, comment elle s'appelle? Elle avait un morceau qui s'appelait Intouchable. Elle chantait super bien, elle s'appelle Sarah Riani. Voilà, j'ai mélangé quatre mondes qui avaient rien à voir ensemble. Et d'ailleurs, ça a fini en coup de pression dans des chiottes où j'ai failli monter en l'air quelqu'un qui voulait pas nous payer. Ça fait partie de mon expérience. Aujourd'hui, je le raconte jamais, donc autant que je le raconte là. J'ai organisé aussi avec fierté et honneur le premier concert du groupe légendaire IAM, qui sont mes frérots en Algérie, avec mon ancien manager qui est toujours mon frérot et qui s'appelle dont je parle dans Caisse d'Amato, je parle de lui, il s'appelle Chouchou, c'est son surnom. Ceux qui savent savent, c'était le manager de la Mafia Kinfri d'ailleurs. Et IAM, c'est ouais, plus une vingtaine de personnes à organiser. Donc ça veut dire que tu te lèves tôt le matin, tu dois faire 20 visas. J'ai une grosse dédicace à mon poteau Zino de l'équipe de Soprano qui m'avait aidé et je lui prouve que je m'en rappelle encore. J'ai de la gratitude. On est très peu à s'entraider dans ce game qu'est le rap français. Il faut savoir le dire. Donc voilà. Alors comment faire un CV avec tout ça réellement? Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. J'ai réussi à faire 10 épisodes de Presse Pause saison 1 en plateau, avec une vraie équipe, avec un quart régie. D'ailleurs, je remercie Tripix, qui est une société d'audiovisuel, qui sont des amis et qui ont d'ailleurs eux-mêmes réalisé le clip de Caisse d'Amato. Donc j'ai gardé la même équipe. Sur le premier épisode de Kery James, des étudiants qui sont venus avec leur propre matos. Là, je pense à mon pote qui s'appelle Thomas. Il m'avait ramené des jeunes étaient des études dans le cinéma et qui avaient filmé avec leur propre matériel les premières émissions de Presse Pause dans l'endroit où j'habitais. J'habitais dans un loft à Paris que je louais à la base qui était un Airbnb quand je suis revenu habiter en France, parce qu'à un moment j'habitais à Londres. Et quand je suis revenu en France, voilà, je cherchais partout un endroit où habiter, je trouvais pas. Il y a un mec qui m'a rangé sur un putain de loft. Alors mes enfants, ils s'en rappellent encore. Ils pensaient que ça y est, leur père, il avait percé de ouf. C'est quand qu'on retourne dans le loft? On a rendu le loft, c'était pas le mien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve dans un loft où il y a deux étages, tout ça. Je dis, il faut qu'on tourne une émission. Il faut l'amortir, le loft. Bref, Presse Pause, saison 1, je remercie tous les partenaires, tous ces gens qui ont donné du temps, de leur argent à mon association pour que je puisse produire l'émission Presse Pause. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'aime pas ce mot de faux frais. Il y a des faux frais, et c'est des vrais frais, cousin. Quand tu fais une émission, moi je suis un mec, je suis éduqué. Tu payes l'Uber des personnes que tu accueilles. Tu fais un plateau repas ou fromage l'après-midi pour ceux qui viennent tard. Tu offres des pizzas à l'équipe technique le soir ou un repas digne de ce nom. De temps en temps, c'est bien de faire un vrai resto. Ça consolide l'équipe et c'est de la gratitude aussi de leur dire qu'on est là. Sans compter les endroits où on tourne, qui te font des ristournes. Moi, mon équipe, elle venait du nord de la France. Il fallait leur donner des chambres d'hôtel. Souvent, je disais, bon, si je tourne dans votre hôtel, réduque sur vos chambres. Comme ça, je vous prends vos chambres. Même moi, je dors là. Comme ça, on commence à tourner le plus tôt. Si les invités veulent bien venir le plus tôt. Bon, bref. De toute façon, si tu crois pas en ton projet, si tu crois pas en toi, tu fais rien. Et tu sais jamais quand un truc, il va être bankable. Au début, tu galères et après, ah, c'est ça qu'ils voulaient, c'est ça qu'ils attendaient de moi. Mais là, ils ont pas assez d'une vie pour le comprendre. En attendant, tous les vendredis à 19h30 sur mon Instagram professionnel, personnel, Presse Pause Live, la communauté, où cette fois mes invités sont le peuple. Parce que j'apprends énormément de ceux qui m'ont écouté, ceux qui m'écoutent, ou ceux qui veulent communiquer, parler avec moi, échanger. Pendant 1 heure, je balance un thème et on discute ensemble. Et ça, c'est un kiff. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Sincère, loyal, serviable, honnête, peur de Dieu, voilà, et aussi trop mec qui, bon ça sera peut-être, ça sera dans les défauts. Mais des fois les qualités peuvent venir des défauts avec le temps. Mais tu les aiguises, tu les travailles, tu les façonnes. L'humain il se croit plus malin quand t'es gentil ou il repart. Ah c'est ça ou j'ai bien, j'ai réussi quand même à lui placer deux trois trucs. Mais parce que je t'ai laissé passer, frère, t'as réussi à me placer. Sinon, je suis un mec de la street. Si je laisse pas passer, je te laisse pas passer. Mais c'est juste que je veux évoluer. Tu vois, je veux évoluer dans ma manière d'être. Et je suis papa depuis longtemps, moi. Quand les princes de la ville de 113
est sorti en 2000, j'étais déjà papa. Juste pour que les gens réalisent qu'à 24 ans, 23, 24 ans, j'étais déjà papa. Même les gens qui m'ont connu, que ce soit les meufs avec qui je suis sorti ou mes potos, ils savent très bien que j'étais bien mature avant l'âge. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Trois défauts. Je pense qu'aujourd'hui, je vais l'admettre, enfin, je suis victime de mon altruisme. J'ai trop voulu aider des gens. Trop. J'ai trop voulu aider des gens gratuitement, bénévolement. Finalement, je m'en veux pas. C'est juste l'ingratitude. Je déteste ça. Chacun fait ses choix de vie, en vérité. En fait, je pourrais prendre loyal, sincère, fidèle. Mes qualités pourraient devenir des défauts face à certaines personnes. Parce que finalement, c'est elles qui sont pas aptes à recevoir mes qualités. Ça en fait des défauts. Mais c'est eux les défauts de cette vie. Je viens d'annoncer que je suis directeur commercial d'une grande marque de costumes sur mesure, chemises sur mesure et polos sur mesure aussi, qui se nomme Montailleur Paris. Alors c'est pareil. Ce mec, il s'appelle Guillaume, et il se trouve que cette personne qui était un partenaire est devenue aujourd'hui un associé. Moi, je crois en ça. Pour moi, j'ai toujours pensé à l'américaine, et je vais vous faire une confidence. Je ne suis jamais parti aux États-Unis. Moi qui me considère comme un Américain dans le business, même si je suis un Français d'origine algérienne et dont je suis complètement fier, mais les Algériens, les hommes. Et donc ce mec-là, voilà, qui s'appelle Guillaume, qui est tailleur de métier depuis quasiment 15 piges, c'est comme s'il m'avait dit, mais putain, il m'écoute parler, et c'est comme une évidence, quoi. Genre, attends, tu vends mon produit quasiment mieux que moi. J'en parle comme un mec qui travaille à la Foire de Paris ou comme un commerçant. Mais en réalité, la vie, c'est ça. Moi, il faut savoir que j'ai eu à l'école comme formation commerce international, et en option, j'ai pris gestion informatique. Réellement, j'ai fait du rap par la suite, donc un truc qui n'a rien à voir. On peut trouver une logique à ça. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup plus d'aptitude que certains de ma team à me mettre en avant dans la communication, dans les interviews. Je sais très bien que les artistes de chez moi me ramenaient sur leur planète rap, on sait tout. Souvent, je parlais plus que mon gars, qui était la star. Je pense que c'est mon état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, je suis directeur commercial. C'est pas un truc qui me fait peur. Donc une bonne fois pour toutes, concrètement. Si réellement vous voulez un costard, sur mesure pour vous, comme cette chemise d'ailleurs, OG, je sais pas si vous avez vu. Moi je vais faire des trucs de qualité, je suis pas là pour vous vendre des trucs. Il y a beaucoup de charlatans dans le monde des costards, je connais. Parce que même moi, qui n'ai pas super grand de taille, qui est large d'épaule, ça a toujours été compliqué pour moi de trouver exactement des chemises à ma taille ou des vestes à ma taille. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître ce game, de le découvrir, et je vais même en apprendre beaucoup plus sur l'aspect technique. Je vous dirai sur Instagram ce que j'ai plus ou moins appris et compris et qui pourra vous servir. Tout ce que je sais, c'est que la qualité y est, je connais les chemises, mais une bonne fois pour toutes, faisons-nous croquer les uns les autres. Pour moi, la vie, elle devrait être comme au Moyen-Âge. Le mec qui vend des légumes fait croquer le mec qui vend de la viande. Le mec qui vend de la viande fait croquer le mec qui vend du poisson. Mec qui vend du poisson fait croquer le mec qui vend des chemises. Mec qui fait chemise dit, bon, vous m'avez compris. À l'époque, c'était le troc, il n'y avait pas d'oseille. Si on avait décidé que l'argent, c'était de la merde, on serait tous là en train de conserver notre merde et à se la distribuer ou à la garder pour nous. Ah, la merde, c'est important et tout. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est faisons-nous croquer. Tu travailles, t'es steward, tu travailles pour une compagnie aérienne. Tu sais que vous êtes 150 à porter des costumes. Appelle OG. Il y a des mecs de sécu. Ouais, ça, c'est important que j'en parle. Les mecs ont des corpulents spécifiques, qui font du triple XL, où ils sont très maigres, ou tu vois ce que je veux dire, des gens qui ont besoin, qu'on ne fait pas d'habits pour eux. C'est très insultant de ne pas trouver des habits à sa taille souvent. Et bien là, c'est du sur-mesure. Alors d'accord, c'est du prestige, il faut y mettre le prix. Mais on sera arrangeant. Il y a toujours des discussions à avoir, mais ne me demandez pas l'impossible, ça sera impossible. Il faut démocratiser cette histoire de sur-mesure. C'est important que ça soit accessible pour tous. Donc n'hésitez pas en DM à me poser des questions. Il n'y a aucune question bête. Voilà. Et les mariages. Bibi, il est là, Bibi. Ok. Peace.